Non, mais on écoute plein d'autres choses. Là, moi, j'écoute Homeland, tout ça chez nous. Ma blonde, elle écoutait 13 Reasons Why. Ben oui, remplir le vide par l'écran. Merci, Nick Provo. Ben oui. Ça l'aurait dit à propos de 13 Reasons Why? Oui, mais on parle, le reste du temps, on parle de politique pis d'enjeux sociaux non-stop. Ben oui. Ma blonde, je veux dire, on parle. Non, mais t'es mieux de diviser. Ouais. Elle arrive à la maison, je fais salut. Tu veux savoir ce que Trump a dit aujourd'hui? C'est à peu près ça. Ben oui, mais en même temps, je peux faire la même chose. Hey! Viens chez nous, tu veux savoir ce que ma mère a dit aujourd'hui? Ça n'a pas plus de pertinence que Trump, là. Qu'est-ce que ta mère a dit aujourd'hui? Ma mère a dit Pascal, arrête de m'appeler. T'es si seul. Je l'adore, cette femme. Bonjour, bon matin, bonsoir. On va commencer justement là-dessus. Mon nom, c'est Russell Crowe, votre modérateur. Russell Crowe. On va commencer. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur, cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie. Votre modérateur, votre hôte, votre animateur se nomme Chuck. Je suis Chuck et je suis épaulé de mes collaborateurs, en fait, de mon collaborateur et de mon invité pour le 398e épisode. Ah, 398. Non, excuse-moi, pour moi, le 498e épisode. Pourquoi j'ai dit 300? Je sais pas. Pourquoi tu m'appelles ton collaborateur? Je comprends plus. On recommence. C'est bon, mon sidekick en or, en sucre. Salut, Nick! Allô! Allô! C'est le fun de t'avoir. Merci. Te faire applaudir. Ouais, ouais, bravo, Nick. T'es là depuis si longtemps, merci d'être là. Il y a plus d'écho que d'habitude chez vous. Ah oui, je sais pas, mon appartement s'est transformé tranquillement. Tu prépares ton déménagement. C'est beau chez vous, pour vrai. Merci, ça merci, c'est bien beau. Je vois une belle plante verte qui a pas l'air d'avoir beaucoup d'amour récemment. Non, je donne pas beaucoup d'amour aux plantes. Mais elle est bien propre, fait que je trouve ça cool. Ah oui, voilà. Le changement de chez Chuck. C'est déjà plus que moi. Justement, celui qui a un beau bain, c'est Pascal Cameron, notre invité. Allô, Pascal! Bonjour tout le monde, ça va bien? Bravo, écoute, hey, t'es nice. Plus fort que ça, j'ai rien entendu, ça va bien? Fais juste le son. Merci d'être là. À chaque jour, on sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard. Aujourd'hui, c'est mercredi, ce qui veut dire que c'est Pascal qui nous pige les deux sujets. Vas-y, là c'est le temps. Moi, je le sais sur quoi on va tomber en plus. Sur quoi on va tomber? C'est à quel point la télé remplit le vide dans la vie des gens. Et Chris, ça pourrait être un bon sujet en plus. Ça, le pire, je pense qu'on va le rajouter. Ça fait pas 60 ans qu'on en parle. Oh, tout le temps. Une offre que tu as déjà refusée parce que tu ne te sentais pas assez à la hauteur. Ah. Pas compliqué. Pascal, est-ce que, par on exemple... On nomme-tu des noms? Ouais, tu peux y aller, vas-y. Non, je sais pas. Tantôt, t'avais-tu du monde en ordre? Non, okay. Non. Tantôt, tu disais CF ou FC, je sais pas trop. Ah, oh, OK. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on parle. Non, Pascal, je voulais savoir, en fait, toi, est-ce que des fois, on t'a déjà offert, par exemple, quand tu commençais à faire de l'humour, une gig qui était plus grosse que que le matériel que t'avais déjà? Non, j'acceptais puis je me plantais. Ah, OK, carrément. Moi, je suis un peu... Ah oui, c'est arrivé. C'est genre, oui, je peux faire 15 minutes, mais t'en as juste 10, là. Non, 15 minutes. Ouais, mais je me disais, je vais peut-être être drôle pareil. Puis, non. En même temps, on apprend tellement de se planter. Fait que c'est tellement une bonne nouvelle que je les ai faites. Mais vraiment. Ben oui, c'est sûr. Fait que là, tu retires beaucoup de trucs ça. Mais absolument, j'ai déjà refusé de coucher avec des filles parce que je sentais que j'allais pas être à la hauteur. Oh, carrément, ouais. Ah ouais, ça oui. Ça, je fais comme... T'étais trop masturbé dans l'après-midi ou... Non, même pas. C'est que moi, une fille qui est trop confiante, ça me fait peur. Ça me fait, OK, elle sait où ça qu'elle s'en va. Puis moi, il va falloir que je suive le rythme. No way. Moi, j'aime ça. J'aime comme ça se développe, ce wild... T'aimes plus une fille insécure, c'est ça que tu me dis? Pas insécure, mais que le wild... Vulnérable? Vulnérable, mal prise. mais j'aime ça quand ces build-up-là se passent. Tu sais, que tu passes de, OK, là, c'est normal. Ben, comme, mon normal à moi, genre. Puis après ça, on build-up, puis après ça devient wild. Mais si je sais que la première est déjà prête à me coller un pouce dans le cul, je suis comme, pour vrai. Ça prend du temps. Faut de la confiance. Commence par un autre doigt. Commence le petit doigt. Le petit doigt. Mais même là. C'est vrai que la première fois, tu laisses. Tu prends ton temps. Une fille qui me dit, tu vas passer la nuit la plus incroyable de ta vie. Je ne vais pas passer la nuit la plus incroyable de ma vie. Je vais passer ma nuit. On t'a déjà à faire ça? Je vais passer ma nuit à me demander. Asti, faut que je réussisse à la faire. Tu sais, quand t'es pas en train de faire l'amour, que t'es en train d'essayer d'impressionner l'autre. Oui. Puis quand la fille est trop, genre, comme wild, déjà à la barre, je suis comme, OK, là, ma calisse, asseoir, mode drive. Tu sais, mais j'ai pas de plaisir. Y a personne qui a, tout ce que je fais, c'est suer, pas avoir de plaisir. Non. Genre, je déshydrate. Chris, man,
Je sais pas, c'est pas normal que tu perdes du poids en faisant l'amour. Tu sais, que tu viens de finir de baiser, tu sais, comme là, je vais au buffet et j'ai même pas de regrets. Mais je t'avoue que depuis que Nick a eu une blonde, il a perdu de la bédaine. Non, c'est faux. Non, un peu. Non, il y a quand même bonne bédaine, Nick, là. Non, il a perdu de la bédaine un peu. Il est gros. Mais c'est vrai que j'en ai perdu depuis l'été passé. Oui. Oui, mais tu fais moins d'argent. Je la regagne tranquillement. Ouais. Non, c'est le contraire, c'est contraire. Ah ouais, non, ça va bien, les affaires. Ah oui, ça va. Non, oui, mais là, c'est ouais. À 4-3 semaines, la bière payée, un moment donné. Mais c'est sûr, ça fait beaucoup de calories juste debout à rire. Ouais, ouais, tout à fait. Tu sais, je suis rendu avec des rides musclées, des rides de rire. Ouais. Musclées. C'est ma blonde, nice. C'est ma blonde qui m'a dit ça la première fois qu'on s'était rencontrés. Mm-hmm. Elle fait, ah, il a l'air jeune, puis elle m'a vu rire, puis elle fait, ah, non. Il a l'air. Ah, ben oui, tu ris, mais oui, on voit. Mais rire de rire. Il y a des muscles de paupières. Ouais, c'est nice à voir, Nick. Justement, est-ce que t'as des petits biceps de pas de doigts? T'as-tu déjà refusé des gigs comme ça? Ou ça peut être une autre chose, un projet, ça peut Moi, être... j'ai refusé des choses que je savais que je pouvais pas faire ou qu'on allait. On me demandait de faire des choses que j'ai pas envie de faire. OK. Juste parce que c'est compliqué, mais aussi parce que je veux pas mettre en géopardie l'opération. Ouais. Tu veux pas que ça foire à cause de toi? Je veux pas que ça soit à cause de moi, que ça aille pas bien. Puis. Souvent, tu sais, même en faisant du son, là, pour les gens qui savent pas ce que je fais, je suis technicien de son dans mes soirées d'humour, mais ça le cadre, ce que je fais dépasse le cadre de juste peser sur play au bon moment. Non, tu fais. D'être le DJ. Puis, ouais, parce qu'il pense pas, il doute qu'est-ce de ça, mais. Tu fais d'autres. Puis quand oui, tu te commandes la bière. Ouais. Puis quand je découvre un nouvel endroit, en fait, je commande pas la bière, j'essaie d'attirer l'attention de sa Ah, mais ça, c'est cool. Là, non, mais ça, c'est une tâche pas facile. Ça, c'est pas facile. C'est pas évident. Ça. Ah, c'est long, des fois. Oui. Surtout quand tu fais pas partie de l'équipe, puis que t'es juste comme le gars embauché. Ouais, ça c'est plate parce que dans le fond, t'es essentiel à une soirée. Là. Ben ouais. Mais c'est pas tous les serveurs, ils ont. Ils savent pas ça. Ils sont pas tous équipés pour comprendre ça. Si t'étais pas là, qui enverrait les messages pour convoquer les humoristes? Hein? Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je veux parler à la personne, le responsable technique, je veux un lien avec, c'est pour faire une nouvelle soirée. Je peux pas arriver là. C'est pas moi qui ai passé les fils d'Aimer, je dis. Non, chaque console est différente. Non. Des fois, il y a des petits trucs. Ah, ce speaker-là, il marche de telle façon. Genre, je peux pas deviner, je peux pas savoir. Puis c'est ça, mon plus grand stress, c'est là parce que la majorité, écoute, la très, très grande majorité des gens ont aucune crise d'idée comment ça fonctionne. Mais rien, là. Puis ils en ont peur de comment ça marche une console de son, le micro. Ils essaient d'être le moins possible proche de la console. Les gens ont peur, puis je comprends, ça m'est déjà arrivé à un certain moment dans ma vie. Ça parce peut que être impressionné. Ben oui, puis je comprenais sûr. Pas. Puis encore, il y a plein de choses dans l'électronique puis dans la musique que je comprends pas. Là. Puis non, c'est ça, ça me prend la personne une ressource. Ça, les bars ou les places ou les endroits, quand tu dis « Ah, t'es tech de son, toi », ils vont avec le titre. Là. C'est comme si t'es comptable, tu devrais être capable de faire tous les impôts du monde. C'est pas vrai, ça marche pas de même. C'est là que je vais refuser des affaires. Genre, on va se mettre dans une situation, si par exemple quelqu'un t'offrait d'être technicien de tournée pour un humoriste. Parce que d'après moi, c'est la prochaine étape pour toi. Ouais. Ben, est-ce que tu m'en parles de plus en plus. Est-ce que tu refuserais parce que tu penses que t'es pas à la hauteur ou tu prendrais le défi? Si on me paye pas assez. Parce que en fait, technologiquement, je suis pas au niveau. J'ai un vieil ordinateur, je suis pas super équipé pour faire les trucs, j'ai pas d'équipement, tu sais, j'ai pas mes propres speakers à moi que je peux traîner pour faire un show, des trucs comme ça. Tu sais, c'est souvent ce qu'on attend des gars qui font ça. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas, il y en a qui ont le pouvoir de le louer puis de se faire rembourser après. Moi, je suis pas là. Okay. Si tu sais, tu m'amènes en tournée puis moi je suis juste branché mon portable partout, je te suis, j'irai où tu iras. Mais si tu me demandes de 50 Q par soir, il faut que je gère l'éclairage en même temps, toujours dans des salles différentes. C'est un esti de défi, pour vrai. C'est vraiment stressant. Le monde pense que c'est pas stressant puis que c'est simple parce qu'on fait la même chose à chaque fois, mais c'est jamais la même chose. Non, parce que la salle est tout le temps différente, la configuration des lumières est différente. C'est tout à fait normal. Tant que le show est pas commencé, tout ce qui se passe avant est différent à chaque fois. Définitivement. Le son, on voyage pas pareil non plus de salle en salle, tu sais. Ah, exact. Ah, écoute, j'ai eu un moment parce que j'ai dû te remplacer, Nick, pour une soirée, puis j'ai stressé ma vie parce que le son était à chier, puis on savait pas c'était quoi la source. Mm-hmm. Puis je me suis fait ramasser pendant la première moitié du spectacle à cause de ça. Et ça peut être bien des affaires. C'est ça l'affaire. C'est que ça peut être bien des fait affaires. Chier, moi, dans le temps, quand j'ai fait le son à l'Abreuvoir, tu sais, il venait de rénover, il venait de changer des trucs, le système technique. Là, il y a je peux pas demander à n'importe quel serveur, hey, pour vrai, si je veux baisser le son de ce speaker-là, comment je fais? Il le sait pas.
Tu sais, 10 ans avant, là, n'importe qui aurait pu me répondre, tout le monde aurait trouvé. Mais là, en rajoutant du numérique à l'analogique, puis il y a deux consoles, le monde sont fourrés, on sait plus. Puis là, ça contrôle le son dehors, en bas, dans les toilettes. Ah ouais, absolument. Je peux pas deviner, moi, quand j'arrive sur le système, ils sont tous différents. Il y a pas de standard, il y a pas de façon de fonctionner. Il y en a, faut que tu cliques le bouton, puis tu le tournes, tu vas dans le menu. C'est... Oui. Je sais pas, moi, je vais pas étudier là-dedans. Il faut que je le découvre à chaque fois, puis c'est stressant. Puis c'est pour ça que je vais refuser des trucs, mais si on me promet que le directeur technique du théâtre va être sur place, je vais y aller. Mais oui, tout à fait. Je vais y aller. Moi, je pour donner un petit exemple, rapidement, j'ai refusé d'aider, par exemple, Pierre-Bruno Rivard, qui fait son podcast qui s'appelle Le Carré de Sable, parce que j'avais pas le temps. Et c'est tout à fait vrai, je n'ai pas le temps je n'avais pas le temps de faire Le Carré de Sable. Le podcast présentement a un très très bon succès. Présentement, ils vont être, je pense, invités à l'espèce de festival radio numérique à Gatineau, et je suis extrêmement content pour eux. Et la personne qui a pris un peu dans le fond de ma place, elle a fait une job extraordinaire. Et je suis extrêmement content pour ça. Fait que refuser parce que tu te sens pas à la hauteur, moi c'est juste parce que j'avais pas le temps. Mmh. Je l'aurais fait, mais j'ai pas le temps et je vois la situation, qu'est-ce qui se passe, et je suis content pour eux. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver pour le projet en soi. Mais c'était pas un nouveau défi pour toi. C'était pas un nouveau défi, puis c'est pas la première fois qu'on va demander d'aider à épauler à 100% un podcast, que quelqu'un vienne juste s'asseoir pendant une heure, puis ok, toi tu t'occupes du reste, parce que mon podcast, et pas juste ça, mais mes podcasts, je travaille sur d'autres podcasts, ça prend déjà trop de temps. Donc, pas être à la hauteur, c'est pas ça, c'est pas le temps, tout simplement. Mais pas être à la hauteur, j'ai déjà refusé des gigs d'humour dans le temps que je faisais du stand-up. T'as déjà fait du stand-up? J'ai déjà fait... Ben oui, je t'avais jamais dit. Déjà parlé, oui, je ouais, il y a comme 5-6 ans, j'ai t'es fait... T'étais encore à l'école, Pascal. Ah ouais, exact, t'étais encore à l'école quand tu faisais du stand-up. T'étais encore à l'école, puis moi, je me suis fait... Il y a Fancy Pants, à mon ami Frankie Fancy Pants, qui m'a demandé de faire une gig pour... Dit François Bouliane. François Bouliman. Bouliman? Oui, ça a déjà été son nom de Facebook, Bouliman. Ah oui? Et... C'est lui qui animait à la queue leu-leu. Dans le salut d'ailleurs. Qui animait à la queue leu-leu, puis il m'a demandé, genre, à la dernière seconde, tu peux-tu faire un 5? Puis moi, je lui avais gossé pendant les mois et les mois pour avoir le 7. Puis moi, j'étais pas prêt en soi, genre, sur le coup. Fait que j'ai dit non. Mais c'est pas le genre de truc que j'aurais dû faire. Non, j'aurais dû embarquer, puis un petit peu m'en foutre, c'est 5 minutes. Mon stock était là, il était pas prêt, mais il était là. Fait que j'aurais pu en même temps dire oui. Puis je pense que ça aurait pas été la fin du monde. En même temps, ça m'aurait peut-être forgé pour cette fois-là. Mais ça file comme, tu sais que ton oral va être le vendredi, puis là, le jeudi, ça a été plus vite que prévu, puis le prof dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut y aller aujourd'hui? Ouais, exact. C'est ça, là. Exact. Puis à cause de ça, Boulian, il m'en a reparlé pendant des semaines après. Il a fait, bon, check le gars qui a refusé la gig. Je trouve ça crissement drôle. Quand tu commences en humour, prends toutes les gigs possibles, parce que c'est juste de l'or en barre qu'on t'offre à chaque fois. Tu as l'expérience gratuite qu'on te donne. Fait que... Mais moi, j'en reviens sur les filles, Pascal. T'as refusé des avances. Oui, 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 oui. Puis, je vais continuer à le faire. Oui, oui. Ah. Oui, mais maintenant que t'es connu, puis t'es super drôle, mais avant, là, quand t'étais personne, t'étais pas drôle. Vrai, moi, mon summum, de pogner avec des filles, là, c'est de 19 à 22, 23, là. Ah ouais? Ah, ouais. J'étais en tabarnak. Et mon Dieu, j'enchaînais. C'était la belle époque. Mais j'enchaînais dans mes... dans ton range. Dans mon range de pas peur. Dans ton range de pas peur, d'accord. J'ai comme, OK, cool. Mais non, pourquoi vous êtes à l'aise, vous autres? La fille arrive, là, elle est vraiment... C'est vraiment une peur aussi. Moi, ça m'est pas arrivé assez souvent. C'est pour ça que je ris de toi. Hein. Mais en même temps, là, un gars qui arrive à une fille, là, moi, si j'étais une fille, puis un gars m'arrivait, puis il faisait comme, m'a tellement te fourré à soir, là, t'auras jamais vu ça. Moi, si j'étais une fille, j'aurais peur. Une fille qui arrive à moi, qui fait comme, m'a tellement te fourré à soir, t'auras jamais vu ça. J'ai peur. Ben oui. Non, définitivement. J'ai définitivement. Peur. Fait que tu peux comprendre ce qu'une fille reçoit quand, ressent quand. Je comprends à 100% ce qu'elle... Absolument pas. Je comprends totalement la fille qui fait comme... Le gars, il est dégueulasse, m'a envoyé une photo de sa graine. J'ai dit non. La fille est dégueulasse, elle m'a envoyé une photo de sa snatch. Chris m'a dit non. Oui, c'est vrai que c'est un peu dégueulasse. À un moment, je suis revenu d'un show, puis une fille, là, j'avais comme un gag avant. C'était comme un pick-up line un peu con. C'était genre... je disais comme, ah, moi, j'ai un pick-up line avec les filles. T'étais-tu un poster dans une autre vie parce que je t'étais en pré-bain dans un mur? Ouais. Puis il y a une fille, après le show, qui m'a envoyé une photo de ses seins avec un « Je te laisserai m'étamper dans le mur ». Hein? Mais je suis jamais allé là. Mais non. Mais t'es un mal. Non, mais toi, tu sais, comme quand tu parlais de Nick tantôt, t'es comme, toi, tu refuserais pas ça. Moi, oui. Non, attends, je tenterais le terrain. Mais oui, c'est différent. Ouais, mais c'est ça. Tu tenterais le poster. Oui. Mais moi, je fais comme genre, OK, cette fille-là, elle veut me prouver qu'elle est hot ou elle veut. Non, elle veut essayer de te prouver quelque chose. Tu sais, Pascal. Tout est dans une ambiance de compétition. Tu peux dire non, hein. Même rendu tout nu.
même rendu ouais, mais je me rappelle... en train de le faire, mais pourquoi tu peux dire non. Mais pourquoi je me rendrais... Tu sais, je le sais déjà qu'elle veut coucher avec moi, j'ai tout ce que je veux. Moi, je veux juste savoir qu'elle veut coucher avec moi. Ça, c'est parfait. La seule, fantasme à l'idée d'avoir toutes les possibilités, mais une fois que t'es os, c'est pas grave. Je veux pas les toucher. Moi mon objectif là, dans la vie, là, c'est de prendre... Genre, rencontrer une fille, faire j'ai le goût de coucher avec toi. À mané, on se ramasse, on est tout nu un sur l'autre, puis je fais juste faire « j'ai ce que je voulais ». Et je décalisse. Ouais, la fille est rendue tout nue, elle est à genoux, puis elle te fait « pour vrai, tu t'es rendu jusque-là, wow, bravo, high five, puis tu t'en vas ». Ah, c'est ça, parce que ce que je veux pas coucher avec elle, je veux savoir qu'elle veut coucher avec moi. Ouais. Vraiment plus ça que je veux. C'est vrai que les intentions sont toujours plus excitantes que le moment même. C'est sûr. Tu sais, il y a une fille là, qui m'a fait un booty call dernièrement, et non, je vais jamais. Mais elle l'a fait... J'ai tout ce que je veux. Bon, tant mieux. I don't need more. Bon, ben, on va y aller avec le dernier sujet. Je sais c'est quoi un orgasme. Ben oui, je sais que c'est. T'en as à tous les jours. Et on n'a jamais assez de cette de ces possibilités-là. Absolument. Tu peux toujours te... Mais un orgasme, je sais c'est quoi venir. Je sais quoi me faire sucer. Mais tu sais, Pascal, c'est juste dans ta tête, ça. Elles le savent pas. Ils se parlent pas tout entre eux. Il y a pas un fan club des Pascal Cameron. Non, je ils sais. Ils parlent entre elles. Je sais, mais ils le savent pas. Mais moi, je le sais. Ma colline des autres, moi, je sais qu'elle veut coucher avec moi. Puis qu'elle... Puis de là, ma vie va bien. J'ai pas besoin... Tu te satisfais de ça? Moi, savoir que j'ai 1 500 000 dans mon compte de banque puis je peux m'acheter cette Ferrari-là, mais que j'en ai pas besoin de cette Ferrari-là, mais je suis quand même satisfait de savoir que je peux m'acheter la Ferrari sans jamais l'acheter. Tu comprends? Oui, je comprends tout à fait. Fait que moi, je suis un gars qui vit rien, mais... Mais j'ai dit ça dans les dernières semaines au Petit Bonheur, que je me satisfaisais beaucoup de ce que j'imaginais dans ma tête puis que ça avait pas besoin de se réaliser. Louis C.K. a un bit au complet là-dessus. Ouais, mais faut que tu puisses te le procurer. Tu sais, pas juste faire comme, hey, j'aimerais ça aller à Bali. C'est genre, en ce moment, je pourrais aller à Bali. Excellent. Mais je fais le choix de non. C'est pour ça que t'habites proche d'un Tim Hortons. Je pourrais y aller, mais. Mais j'y vais jamais. Mais j'habite proche. D'ailleurs, t'as déjà été approché pour faire l'animation à Occupation Double et tu l'as refusé, d'ailleurs. Oh, t'as dit, non, laisse ça à Jay. Mais. Il va s'en occuper, lui. C'est drôle parce que ça arrivera jamais qu'ils vont m'approcher pour Occupation Double. C'est quoi? Il faut jamais dire jamais. Ça n'arrivera jamais. Je te verrais animer un show. Ah, ouais, mais ça serait. Mais je serais pas. Tu sais, Jay, il y a une belle énergie sympathique pis tout. Absolument, là. Il y a tout pour ça, mais je te verrais crissement dans un show de télé en train d'animer de quoi. Mais ça serait genre comme. Moi, animer Occupation Double, ça serait comme. Bon, c'est quelle la plus laide qui va partir en premier? Ce serait ça. Ce serait ça, mon animation. Ça serait un show d'élimination. Ce serait un show où j'encourage l'élimination. Tu blastes tout le monde qui est là. Tu n'encourages aucunement le show. Tu fais comme, bon, c'est qui le doux? Le gars qui est pas capable de compter jusqu'à 5. Tu essaies de savoir c'est qui le plus cave de la gang. À la soirée d'élimination, je mettrais les enveloppes sur la table, je serais comme, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Juste, faites-moi un génocide de gars, les filles. Éliminez-moi toutes ces mardes-là, l'autre bord. Non, mais moi, là, maman, ben oui, décalisse. À chaque fois qu'il parlerait, je pense que je les acterais out, mauvais. Fait que là, moi, c'est ça, là, je recherche une fille qui est ben, moi, j'ai peut-être une fille qui m'enlève. Là, je serais juste moi qui les imiterais à l'arrière. Oh, ben, moi, j'ai choisi Jonathan. Puis là, tu dis, ah, okay. Puis à chaque fois qu'une des candidates veut coucher avec toi, t'es toujours sur le bord, puis tu fais comme, non, j'ai ce que je voulais. Et tu décalisses. Ouais, c'est sûr qu'il voudrait tout pas fourrer. Bref, là-dessus, dernier sujet, Pascal, et c'est un sujet blitz, Nick. Blitz. Merci, Nick. Ça vient brasser, hein? Ah, c'est bon ça. Une idée géniale qui te frustre parce qu'elle n'est pas levée tant que ça. Non, mais pensez à ça. Une idée sous-estimée qui n'a pas eu le succès qu'elle devrait avoir. Est-ce que vous avez, par exemple, des idées de soirée d'humour qui n'ont pas eu autant de monde que vous l'auriez voulu? Tout à fait, t'as deux bonnes personnes qui peuvent t'en parler. Mais qui avaient un potentiel fantastique et que l'idée de base était bonne. Je pense qu'elle avait pas un potentiel fantastique, mais je pense qu'on est déçus que ça soit pas levé. Je pense pas que c'était la place idéale pour faire un spectacle d'humour. Je pense pas qu'on s'est trompé. Là. Sur Masson, c'était la meilleure place pour ça.
Je trouve que la salle était mal faite au niveau des banquettes, au niveau comment c'est loin. Tu sais, j'aime pas les salles de show du monde. C'était au c'est quoi le nom de la place? Chez Baptiste, chez Baptiste Mont-Royal, là. Sur Masson. Masson, pardon. Ouais. Chez Baptiste Masson, puis je trouvais que là, en repensant, là, quand il y a des banquettes dans un show du monde, c'est tout le temps moins hot la drive. Les gens sont lazy, sont assis, sont dans leur couch. Quand c'est une belle chaise droite, sont comme genre sur leur bout de la chaise. C'était quand même des banquettes en bois. Mais c'était quand même des genres de banquettes en L où c'est que t'étais lazy, t'étais à côté. Il y avait de pas. Mais il y avait du potentiel friendly. Parce qu'on pouvait rentrer vraiment beaucoup de monde dans ça. Mais au niveau du monde, on avait beaucoup de monde, mais c'était pas la qualité optimum de genre plafond bas, gens proches, plus de gens proches. Si on pouvait attirer 25-30 personnes proches et le reste était ailleurs. Il y a des conditions idéales, il y a des salles qui sont plus intéressantes que ça, mais qui sont plus petites. Je pense par exemple au Major Tom, tu sais, minuscule comme salle, mais. Génial. Les conditions pour l'humour sont excellentes. Sont fantastiques. Je pense pas que c'est sur un faible pourcentage, là, le format de la salle, là, sur le succès de la soirée, là. Je pense mais ça doit influencer. Mon Dieu, on a eu des mauvais timings, tu sais, on l'a fait en même temps que le Super Bowl, que la Saint-Valentin, il y a une tempête de neige, il y a eu du verglas sur nos quatre premier spectacle. Mais pas le premier. Le premier est en décembre, mais J'avais eu 70-80. Mais encore, il y a eu cette année les mêmes conditions. Il y a eu littéralement les mêmes conditions sur Saint-Hubert, les dimanches. Puis ça se passait bien. C'est pas sur Saint-Hubert, sur Saint-Laurent-Jean-Talon. Au Bira. Bira. Les mêmes conditions. Oui, sauf que là, on a eu tout le bar derrière nous, qui a invité leurs amis, qui ont travaillé fort. Alors là, ça dit qu'on n'a pas eu. Ça veut dire que sur Baptiste, ils n'ont pas backé leur soirée. Non, fuck all. Ah, mais là, c'est ça qui se passe. Mais en même temps, c'est ça. C'est pour ça que c'était pas idéal. Au Baptiste, on leur a forcé un clé en main, au final. OK. C'est ça que ça aura. Ouais, un semi-clé en main, là. C'était un peu weird. Mais un beau projet, là, qu'on a voulu faire. Moi, je peux dire rapidement, mais tu sais, j'ai un de mes podcasts que j'ai dû un petit peu mettre la hache dedans, mais c'est Belle Fixation, qui est un podcast sur les films. Puis le potentiel était fantastique. Mais j'ai aussi un podcast. Ben oui, exactement. Mais Pascal et moi, on a travaillé sur quelque chose, puis malheureusement, ça n'a pas levé. Mais il nous faudrait quelqu'un qui connaît le milieu. Le milieu de la sexualité. De la sexualité en général. Oui, communiquez avec nous pour vrai. Si vous connaissez le milieu de la sexualité, on a besoin de vous parce que j'ai pas le temps. Alex Smith. OK, mais c'est ça, sinon mais c'est ça mon podcast que j'avais fait sur les films qui malheureusement j'ai dû mettre la hache dedans, qui avait un potentiel incroyable malheureusement. Et un nom génial. Mais aussi, puis que je continue à garder parce que je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec ça, mais le temps me fait beaucoup défaut présentement. Christopher le temps. Okay. Bon, je pense que c'est le temps de plugger les Twitter. On va y aller avec Sabrina Tivierge qui nous a rajouté sur Le Pays Bonheur. Merci beaucoup de nous avoir rajouté récemment. Amélie Nobessan et puis Mathieu Mongrain qui aussi nous a rajouté. Merci. Ah ouais, Mathieu Mongrain. Mathieu Mongrain, merci beaucoup. Eh oui. Et même elle est là. Eh oui, absolument. Merci beaucoup. Et puis, ben, on se rejoint demain. Merci, Nick. C'était un plaisir, franchement, de parler de ses échecs. Absolument. Hey, je suis fébrile, Nick. Dans deux jours, c'est. Deux jours. C'est 50e, merci. Pascal, merci beaucoup. Hey, merci. Absolument. Tu promets-tu d'être nu? Je vais pas être nu nulle part. C'est 500e, non? OK, parfait, excellent. On termine le show là-dessus. Merci beaucoup et on se rejoint demain pour le jeudi. Bye-bye. Pourquoi tu m'appelles ton collaborateur, je comprends. Ils ont pas backé leur soirée. À quel point la télé remplit le vide. Moi, ça m'est pas arrivé assez souvent. C'est pour ça que je ris de toi. Mon stock était là, il était pas prêt, mais il était là. Mais le bain est propre, fait que je trouve ça cool. Je tâterais le terrain. Oui, ça a déjà été son nom de Facebook. Il y a des muscles de paupières. Mais j'avais de broche. Je te verrais crissement dans un show télé en train d'animer de quoi?